بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Donc nous étions en train de parler de la situation des chiites à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam et nous avons dit que compte tenu de la situation qui existait et compte tenu de la moralité ou bien disons même l'immoralité des Yazides, l'imam Hussein, il n'y avait aucune question pour lui de faire l'allégeance à Yazid et c'est ce qui lui a amené au martyr. Maintenant, lorsqu'on fait l'analyse de l'histoire de la tragédie, de cette tragédie qui s'est déroulée à Karbala, vous allez trouver aujourd'hui des chercheurs sunnites ou bien peut-être d'autres confessions qui vont attribuer le massacre et le martyr de l'imam Hussein alayhi salam aux chiites pour dire que c'est les chiites qui ont fait appel à l'imam Hussein alayhi salam et c'est eux qui l'ont tué, c'est eux qui l'ont assassiné à Karbala. Bon, de toutes les manières, on peut faire l'analyse de comment c'est eux qui ont qui sont l'auteur de ce massacre-là, peut-être sur quelques aspects. Mais cela n'est pas très important actuellement. Ce qui est important actuellement, parce que compte tenu du petit temps que nous avons, comment est-ce que nous, on se pose la question? Parce que compte tenu de la définition des chiites que nous avions dit, compte tenu que nous avons donné des références du Saint-Coran et des hadiths du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le statut et les vertus des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, le statut et les vertus de qui? De ces adeptes-là. De ces adeptes-là. Comment peut-on venir dire que l'imam Hussein alayhi salam a été massacré par les chiites eux-mêmes? Vous n'avez pas entendu ça au cours de l'histoire? Oui. Voilà. Donc, ici, pour faire objection à ces paroles-là, nous allons faire l'analyse de l'histoire ensemble. Nous allons nous arrêter sur un point et essayer de démontrer quelques aspects du chiisme. J'avais eu à démontrer brièvement, mais ici, nous allons un peu rentrer en détail et que nous allons voir est-ce que, en réalité, l'imam Hussein alayhi salam avait été assassiné par les chiites ou pas. C'est ce qui est important actuellement. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de chiites par politique et chiites par croyance. Il y en a encore deux aspects. Si on ajoute, ça va être quatre aspects. Nous allons démontrer maintenant quels sont ces quatre aspects du chiisme-là. Et à la fin, nous allons arriver à une conclusion. Quel aspect qui est le chiisme authentique? Qui est le chiisme authentique? Ici, je dis bien aspect, je ne dis pas école. Faites la différence entre école et aspect. Parce que ici, je vais aller parler des croyances des gens particulières. Est-ce que vous avez vu? Par exemple, chacun d'entre nous ici, on est musulman, n'est-ce pas? Dans l'école sunnite, tout le monde est musulman.
Est-ce que vous avez vu? Mais ce n'est pas tout. Même si on s'attache au principe de la religion ensemble, que ce soit chiite, sunnite, au sein des sunnites, de l'école sunnite, il y a des aspects que ceux-là parmi eux-mêmes vont avoir des divergences. Vont avoir des divergences. Vous allez bien comprendre lorsque je vais expliquer ces aspects-là. Et à la fin, tout sera clair, Inch'Allah. Hier, j'avais parlé de choses, comment on appelle, chiite par politique. Chiite par politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, et surtout, ce groupe-là a été manifeste à l'époque de Ousmane. Lorsque ils ont vu que Ousmane gérait mal la communauté musulmane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré l'imam Ali alayhi salam qu'il vienne au pouvoir. Est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire que ceux-là, même s'ils n'avaient pas la croyance pour dire que quoi? Pour dire que c'était l'imam Ali alayhi salam qui avait été annoncé dans la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que successeur, l'imam légitime de la communauté musulmane après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils n'avaient pas la croyance de cela, ils ont préféré que cela, que l'imam Ali ou bien une personne, des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne diriger la communauté musulmane. C'est le cas de chacun de nous aujourd'hui dans nos pays. Je donne cela comme un exemple. Lorsqu'il y a un dirigeant sur le pays et que nous voyons que ce dirigeant ne fait pas bon son travail, peut-être qu'à côté, ou quelque part, nous allons préférer quelqu'un à ce dirigeant-là, qu'il vienne diriger le pays et faire sortir le pays de la crise. Donc c'était le cas aussi pour ceux-là qu'on disait par exemple chiite par politique. Chiite par politique. Ne pensez pas que c'est... Cette expression-là, c'est une invention. Cette expression a été écrite dans plusieurs livres. Par exemple, vous allez trouver qu'il y avait des gens. Ils étaient accusés d'être un peu chiites. On dit, ah, lui-là, il a des visions chiites. Il a des visions chiites, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même s'il ne croit pas, à la nomination divine de l'imam Ali alayhi salam, il a la croyance à la supériorité de l'imam Ali pour diriger en tant que quelqu'un qui est capable de doter d'une bonne moralité. Est-ce que vous avez vu? Par exemple, vous allez trouver cela dans Rijalun Najashi qui parle lorsqu'il parle par exemple des compagnons et ceux qui ont transmis les gens qui sont venus dans des chaînes de transmission des hadiths. Est-ce que vous avez vu? Vous allez trouver des gens comme ça au cours de l'histoire à l'époque de l'imam Hussein, l'imam Ali alayhi salam, à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Est-ce que vous avez vu? Deuxième aspect, c'est le schisme par croyance. Le schisme par croyance, c'est clair. Quelqu'un qui a la croyance pour dire que, après le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a été nommé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été nommé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et par la voix divine, par Allah subhanahu wa ta'ala, et l'imam Ali alayhi salam, et que l'imam, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi l'a dit, sera parmi les gens de Ahlul Bayt jusqu'au jour de la résurrection. Donc, voilà une différence en chiite par politique et chiite par quoi?
par croyance. Donc, ne faites pas confusion. Ne faites pas confusion. Il y a un autre aspect. Chiite par amour. Chiite par amour, ça veut dire quoi? Chiite par amour veut dire que quelqu'un qui a l'amour des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez trouver même cela aussi, des gens pareils, hein, dans l'école sunnite, qui avaient en réalité l'amour des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsqu'il s'agit de la cause des gens, hein, des Ahlul Bayt, de la cause des Ahlul Bayt, ceux-là vont préférer les Ahlul Bayt, hein, par amour que toute personne. Que toute personne. Par exemple, lorsque nous allons lire l'histoire de l'imam Shafi'i. Vous savez très bien que l'imam Shafi'i forme, l'imam de l'école Shafi'ite parmi les quatre écoles de la jurisprudence sunnite. Hein? Par exemple, dans sa parole, il dit que « In kaina hubbul waliyyi rafdan, fa innani arfadul ibadi » que si l'amour des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, faisait de quelqu'un, hein, un rebelle, alors lui, il sera le plus rebelle de quoi? Des adorateurs d'Allah, des servants d'Allah subhanahu wa ta'ala, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une autre longue parole qui n'a pas été rapportée ici lorsqu'il parle de son amour envers les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui aussi, hein, la majorité des sectes soufis, hein, démontre cet amour-là, hein, pour les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont des poètes, ils ont des poésies, hein, ils ont des poésies concernant le messager d'Allah et les gens de sa maison. Ok, en toutes circonstances, vous allez voir que cela, ils sont attachés à l'amour des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième aspect, c'est le schisme, religieux. C'est-à-dire en matière de religion. En matière de religion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concernant la religion, ceux-là, ils ne voient que les vrais détenteurs, hein, de la connaissance de l'islam, c'est les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans le domaine de la jurisprudence, que ce soit dans le domaine du tafsir, hein, et que ce soit dans n'importe quel domaine concernant la société. Ceux-là vont voir que les premières références de la religion sont les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la différence entre cela et le chiite par croyance? Je ne sais pas si vous avez bien fait l'attention à cela. La différence entre eux est que ce dernier groupe que je viens de citer là, même s'ils n'ont pas la croyance de, l'imam Ali a été nommé par la voix divine, qu'il est le successeur du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ceux-là ont la connaissance de l'islam que tout le monde. Et que l'auteur de notre livre ici donne l'exemple d'un sunnite qu'on appelait Shahristani. Shahristani, je pense que j'ai une fois mentionné son nom dans l'un des cours là.
Il est l'auteur de celui qui a écrit, concernant les différents sectes de l'islam. Ici, notre auteur démontre que Shahristani, il était un sunnite, mais il avait en matière de référence de la religion, il préférait ou bien il plaçait à l'avant les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voici les quatre aspects du schisme. Et ne pensez pas que lorsque parce que j'ai bien dit que ces aspects ne veulent pas dire des écoles. Non, non, c'était une vision des individus. Comment c'était une vision des individus? Tout à l'heure, vous allez le comprendre lorsque je vais arriver à la conclusion. C'est-à-dire qu'on essaie de diviser les gens par leurs différentes moralités. Par leurs différentes moralités concernant leur vision envers les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi ces quatre aspects que nous venons de citer, quel est le schisme authentique? Quel est l'aspect du schisme authentique? Clairement et évidemment, vous allez me dire que c'est le schisme par croyance. Puisque ceux-là, on a dit que non seulement ils sont attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi ils ont la croyance que la nomination de l'imam Ali était divine et que automatiquement en aucun cas personne ne devait se placer pour la direction de la communauté musulmane avant l'imam Ali alayhi salam. Donc c'est cela que nous avons eu à parler jusqu'à maintenant, si vous avez remarqué. Je donne l'exemple que ceux-là, ils étaient attachés à l'imam Ali alayhi salam au moment même du vivant du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que Salman, tel que Ammar, tel que Miqdad, tel que Bilal, et etc. Et après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là sont toujours restés avec l'imam Ali alayhi salam, et nous avons eu à parler de leurs protestations et leurs contestations contre les autres califes. On a eu à parler de cela. Donc des gens comme ça aussi sont restés jusqu'à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Ceux aussi qui sont venus après, qu'on les appelle les tabi'in, qui ont vécu aussi à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, c'était quoi? Ils avaient suivi la trace de ceux-là. Ils avaient la croyance à la divinité de la succession des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Mais les autres aspects, c'est les circonstances et les événements qui vont les faire apparaître. Comment? Par exemple, l'événement de Ashura. Je ne vais pas donner l'histoire en détail. On a dit que c'est les gens de Koufa qui ont amené des lettres à qui? À l'imam Hussein de venir envers Koufa, et qu'ils ont démontré leur attachement à ces derniers-là de la manière dont ils étaient attachés à son père. Donc, malheureusement, ce dernier va venir à Karbala. Lorsqu'il va arriver là-bas, malheureusement, il sera massacré par les gens de Yazid. Pourquoi cela? Pourquoi les gens de Koufa ne sont pas venus? Pourquoi les gens de Koufa ne sont pas venus? Nous, on peut avoir deux analyses rapides ici. Le premier, c'est quoi? Le premier est que les gens de Koufa, ils étaient chiites par politique. Ils étaient chiites par politique, pas chiites par croyance. Puisque
Les chiites, par croyance, ce jour-là, sont venus faire quoi? Sont venus rejoindre l'imam Hussein alayhi salam à Karbala et se sont et ont été martyrisés avec lui. Oui, c'est vrai, il y avait quelques-uns aussi qui n'ont pas pu joindre. Par quoi? Parce que ils n'ont pas eu la route pour joindre l'imam Hussein alayhi salam. Allez-y voir l'histoire comment les soldats, les troupes d'Ibn Ziyad avaient assiégé Koufa ce jour-là. Personne ne pouvait faire quelque chose. Donc, on a à dire que les chiites qui étaient à Koufa à cette époque étaient des chiites par politique et les chiites par croyance. Beaucoup avaient été déjà massacrés par les gens de Mouawiya. Vous avez vu que j'ai dit que les gens étaient chassés et que tout cela sortait de leur ville natale pour se déplacer ailleurs. Vous avez vu. Donc, soit on va dire que c'était des chiites par politique, ou bien ceux-là, en réalité, parmi ces choses, comme on appelle les personnes qui étaient sincères, qui étaient chiites par croyance, ceux-là n'ont pas eu la route pour joindre l'imam Hussein, alayhi salam, ce jour-là. Et ceux qui ont eu la route par difficulté pour joindre l'imam Hussein, et tous ont été massacrés ce jour-là par les choses, comme on appelle les troupes d'Ibn Ziyad. Donc, vous allez voir que, de la manière dont l'auteur dit ici, il a fait l'analyse pour démontrer que les gens de Koufa à cette époque étaient des chiites par politique. Et si en réalité ils avaient cette croyance-là, cette croyance qui parle de la divinité, de la succession des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ils allaient avoir beaucoup de choses à faire ce jour-là. Donc, il est clair pour dire que ce n'est pas en réalité pour dire que je prétends dire que je suis, hein, moi je suis en train de suivre les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala par la parole seulement, mais aussi par action. Et que si cela, ils avaient refusé ce jour-là de venir lui joindre, alors ils n'étaient pas chiites par croyance, mais chiites par politique. C'est comme aujourd'hui, nous on fait le doigt. Nous on fait le doigt pour dire que, après, lorsqu'on fait la ziyara de l'imam Hussein, alayhi salam, on dit, ah vraiment, si nous étions avec vous, hein, à Karbala, le jour de Ashura, alors nous allions avoir, comme on appelle, le salut. Hein? Nous allions atteindre le salut. Mais est-ce qu'en réalité, ces jours-là, si nous étions là, nous allions accepter d'aller être martyrisés avec l'imam Hussein, alayhi salam? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà pourquoi vous allez trouver même le jour de Ashura, dans l'autre groupe, allez-y voir l'histoire de Al-Hur. Hur, il était dans l'autre groupe, dans l'autre troupe. Lorsqu'il a vu qu'en réalité, le petit-fils du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala va être massacré et tué, il a vu que son intention n'était pas cela. Donc il a fait un changement de camp et il a vu maintenant que cela en réalité n'était pas des musulmans. On ne pouvait pas les appeler des musulmans. Puisque un bon musulman ce jour-là ne devait pas tuer le petit-fils du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu. Donc Hur a fait changement de camp et il est parti joindre l'imam Hussein alayhi salam. Et lorsqu'il a rejoint l'imam Hussein, il a eu à discuter avec lui, il est allé faire un combat et il a été martyrisé avant même le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Et il y a des paroles de l'imam Hussein à propos de cette personne-là. Est-ce que vous avez vu? Donc,
Il y avait des différentes personnes avec des différentes visions. Mais les chiites, par croyance, ont été toujours préservés et ont toujours préservé leur, quoi, leur croyance et leurs principes. Et ils n'ont jamais, jamais trompé, ne sont jamais sortis de l'ordre des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est cette école-là qui a... ce sont ceux-là qui ont formé l'école chiite par principe de croyance et par jurisprudence et d'autres aspects de l'islam que nous avons aujourd'hui. En ce qui concerne les gens avec leurs différentes visions, alors les visions sont restées où ? Sont restées dans l'histoire. Voilà pourquoi j'ai dit que quand j'ai dit aspect, ce n'était pas aspect qui forme école, mais aspect de vision concernant les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons atteint à dire quoi? Nous avons atteint déjà pour dire que déjà, ceux qui ont tué l'imam Hussein alayhi salam n'étaient pas les chiites. Parce que c'est les chiites par croyance ici que nous on appelle les chiites. Sinon, chiites par politique, chiites par, par amour, chiites par chose référence religieuse, ça ce sont des expressions particulières que nous allons utiliser sur, quoi, sur le plan littéraire. Mais sur le plan technique, hein, c'est le schisme par croyance là que nous avons aujourd'hui, les croyances du schisme et la jurisprudence chiite. Donc il n'y a aucune question pour dire que, il n'y a aucune question pour dire que c'est les chiites qui ont tué par... l'imam Hussein alayhi salam. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui boit l'alcool, un sunnite qui boit l'alcool, c'est un musulman ou bien c'est pas un musulman? Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas un musulman. Mais est-ce qu'il fait le travail d'un musulman? Hein? Boire de l'alcool, est-ce que c'est le travail d'un musulman? Voilà, ce n'est pas le travail d'un musulman. Et que si vous voulez attribuer une preuve à cette personne-là, nous allons vous dire que vous avez failli parce que cette personne-là ne peut pas être une référence en islam. Parce que l'islam, c'est les actions, c'est les actes. Sans ces actes-là, vous allez vous retrouver seulement avec quoi? Avec les expressions. Voilà pourquoi depuis le début, je vous ai dit que l'expression doit être appliquée sur quoi? Sur la partie doit être pratiquée. Quand je parlais des sunnites et chiites, j'ai dit que ça doit être pratiqué sur la réalité, de ce qui se passe ou bien de ce qui s'est passé. Lorsque c'est conforme, ouais, on dit que c'est conforme, mais lorsque ce n'est pas conforme, on dit que ce n'est pas conforme. Est-ce que vous avez vu? Donc je vais m'arrêter ici. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.